Je vais vous la faire en anglais pareil. Je suis le sergent détective Maurice Robitaille de la police de Montréal. Vous êtes présentement arrêté pour attroupement illégal. OK? En vertu de l'article 63 et 67 du Code criminel. Donc, vous avez le droit de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat de votre choix. Si vous y êtes admissible, vous pouvez aussi bénéficier du programme d'aide juridique. Finalement, vous pouvez appeler sans délai et sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires. Vous avez également le droit au silence, donc vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse ou faveur, ni crainte d'aucune menace, que vous parliez ou non. Tout ce que vous direz sera pris par écrit pour en servir de preuve. J'ai quelque chose à dire. Juste un instant, je vais le dire en anglais avant. Ah, oublie ça. On était déjà arrêté sur P6. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je le dise en anglais? Levez la main pour ceux qui ont besoin de leurs droits et leur motif d'arrestation en anglais. Est-ce que tout le monde a compris? Parfait. Vous êtes trompé. Ouais. On est déjà arrêté sur règlement P6, article 6. Oui. Comme je l'ai mentionné, c'est une infraction au code criminel. Attroupement illégal. Attroupement illégal. Donc, vous avez eu vos droits. Vous allez être transporté à l'autobus ou vous allez être libéré avec une promesse de comparaître à la cour. Bien sûr. Ça va être job. Moi, j'ai pas le coup de plan seulement. C'est pas le coup de plan.